demain Watch Dogs Legion. Très hâte d'y jouer. Je vais lancer le téléchargement tout à l'heure. Bien évidemment, pour être prêt demain. On attend. On attend quoi? Je voulais qu'il se passe quelque chose, mais mon timing est pourri, alors... Ah. C'est une fusée de Galilée, et alors? Alors, bah, cette fusée Galilée, c'est la numéro 4. Et les satellites qu'elle transporte... Ils sont tous à Blum. Non, t'es sérieux là? Intéressant du coup. Hein? Avec ces satellites, il y a un max de données auxquelles on n'aura plus accès. C'est passé au niveau supérieur, mon pote. T'avais envie de leur mettre une droite dans la gueule, et là... Là, on leur claque le genou dans les boules. Toi, tu penses qu'on pourrait placer un petit quelque chose sur leur prochaine fusée et les laisser les mettre en orbite? T'es un taré à l'ancienne, toi. Je suis vintage, baby. Putain. Tu conduis? Ouais. Ouais, mec, c'est moi qui conduis. Tu vas dire le mot, en fait? Ah, bah si, mais non. C'est moi qui conduis. Dépose-moi au Hackerspace, je vais regarder ce qu'on a sur Galilée, histoire de pouvoir te guider dans l'immeuble. Okay. Si ça marche, on aura accès au parc de serveurs de Blum et à toutes les données bien juteuses qu'ils contiennent. Une grosse boîte comme Blum, ça doit avoir des parcs de serveurs dans tout le pays. Avec un peu de chance, on pourra utiliser celui auquel on aura accédé pour trouver les autres. Ça fait trop longtemps qu'on rame pour suivre la Silicon Valley. J'ai vraiment hâte que DedSec soit au même niveau. Malgré tout ce qu'on a fait, on sait toujours pas exactement ce que Dushan prépare. Vous croyez qu'on va trouver des photos de sa bite? Dis donc, c'est quoi ça? T'as écouté tout ce qu'on disait, Citara? Si on arrive à mettre la main sur une photo de la bite à Dushan, on aura l'avantage ultime. Ouais. Surtout si elle est toute petite ou qu'elle a des verrues. Les gars... Avec la tronche qu'il a, je suis sûr qu'il se taille les poils à la tondeuse. Ou alors il se fait le maillot. Oh. Hipster Beat. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Salut, je suis Hipster Beat. Je mets que des capotes slim. Ouais, j'étais déjà circoncis avant que ce soit cool de l'être. Franchement, on dirait des gosses. Ok, ok, les gars, c'est bon. On a mis Papy en colère. Appelle-moi quand tu seras chez Galilée. Il y aura un satellite qui t'attendra.
Moi et une de tes puces Clipper magiques. Magique, oui. Et pour la puce Clipper, je t'emmerde, amigo. Tu pensais arriver aussi loin un jour? Franchement, je pensais même pas qu'aussi loin c'était possible. Tu sais, Ray, faut que je te dise un truc. J'ai toujours kiffé les fusées. J'adorais ça quand j'étais gamin. T'excites pas trop, va. Vu les mesures de sécurité mises en place par Galilée pour protéger sa propriété intellectuelle, une connerie et tu vas avoir de gros problèmes. Bah, ça fait un moment qu'on a que ça, des problèmes. Dis-moi ce qu'il va falloir que je fasse. C'est bon, ça va, pas de stress. Je suis en train de télécharger un plan de l'immeuble, là. Dis-moi quand tu seras arrivé sur place. Hé, hey, Marcus. Tu veux que je te chante quelque chose pour le trajet? J'ai un autoradio, Orange. Mais merci pour la proposition. Et toi, T-Bone? Tu veux pas que je te chante une chanson de pirate? Marcus, tu peux conduire plus vite. Oui, oui, j'ai... Calmez-vous. C'est pas vous qui conduisez, oh. T-Bone, c'est bon, j'y suis. J'ai le plan de l'immeuble sous les yeux, mais je vois rien de là où t'es. Je peux te connecter au système de surveillance? Y a un checkpoint qui mène à l'immeuble. Le réseau de caméras passe par là. Je vais voir ce que je peux faire. Le ciel n'est pas la limite pour Galilée. Le rocket boom de la compagnie aérospatiale se poursuit à San Francisco avec une nouvelle série de fusées prêtes à décoller aujourd'hui. Ces fusées renferment des satellites. Toutefois, la société d'exploration spatiale a refusé de dévoiler l'objectif de ces satellites, justifiant qu'il s'agit là d'une affaire de sécurité nationale. Je vois! C'est un miracle, Marcus! Super! Tu peux me couvrir, alors? T'inquiète, je te couvre en haut, en bas, de tous les côtés! Cool! La petite gojante, là-bas. Bienvenue chez Galilée! Bon, faut que t'ailles dans la salle stérile. Elle est pleine d'équipements fragiles et l'environnement est contrôlé. Alors, essaie de pas laisser d'empreintes, si tu peux. Y'a quoi dans la salle stérile? La puce que je t'ai filée sert à rien sans carte mère. Et à en croire ce rapport, c'est là qu'il stocke le genre dont on a besoin. Tenez-vous prêts. On vous signale une cible déjà identifiée près de votre position. À vous. Mais comment t'es moche? Comment, hein?
anglaise et que je suis pour me planquer. Bien joué. Alors, où est-ce qu'ils planquent leur carte mère? T'inquiète, je m'en occupe. La bécane va pas pouvoir tenir sur un endroit pareil. Merde, si seulement on avait quelqu'un sur place qui sache utiliser ses mains. Gna gna gna. Mon père m'avait...
crois que j'ai eu de la chance. Bon bah, je crois qu'on a trouvé son point faible. J'en sais rien, mais on a réussi. Hé, hey Ray, tu crois que je peux mettre expert en fusée sur mon CV maintenant? Attends, j'ai une gueule de conseiller d'orientation. Ça y est. Voilà, c'est super. Tire-toi maintenant. Naturellement, le paradoxe de Fermi s'applique à ce type d'expédition interplanétaire bien trop optimiste. Parce que... même si les aliens existent, convaincus qu'ils n'ont aucune envie de nous rencontrer. Ils sont vraisemblablement si avancés que nos plus grandes découvertes scientifiques et technologiques doivent être l'équivalent, je sais pas moi, l'équivalent de... tiens, de leurs jouets pour enfants. Honnêtement, je pense qu'on surestime totalement nos propres gadgets. Voilà, et un satellite de piraté. C'est bien, mon grand, j'ai un paquet de cookies pour toi. La fusée va pas décoller d'ici un moment. On t'appellera pour le lancement. En attendant, va t'acheter des fringues cool. Ou pas. Oh, c'est ta vie, hein. T'en fais ce que tu veux. Ah, et sinon, j'ai menti pour les cookies. Apprends à conduire! Attention! Oh, attention! Tout de suite et tu te barres. J'avoue, il d'avouer, va aller là-dessous là. Arrête ça et fous le camp.
partisans de la cellule de hackers DeadSec sont chaque jour un peu plus nombreux. Des rumeurs semblent indiquer que les spécialistes de la Silicon Valley se préparent à une nouvelle attaque des hackers. Ce groupe de hackers anonymes multiplie ses cibles afin de mettre au jour de nombreuses pratiques jugées illégales, perpétrées par diverses sociétés et institutions. Ils ont attiré l'attention de nombreux citoyens qui soutiennent désormais les efforts de DeadSec, mais pas nécessairement leur méthode. Attention, plusieurs unités sont en route vers la position du suspect. Oh, on peut être longtemps. Marcus, ils vont bientôt lancer la fusée. Ouais. Allez, ramène tes fesses. On va fêter ça. J'arrive. Je suis là. J'arrive. Je suis là. J'arrive. Captain Kirk, le lancement va avoir lieu. Arrête avec Kirk, moi c'est Sisko. Quoi? Le vieux rappeur? Capitaine Sisko. Dans quelques minutes, Bloom sera à notre merci. On va tellement faire notre biatch! Témoin. 20, 19, 18. Allez, 17, 95, Azerty, Googleplex. Putain, rien qu'en imaginant la masse de données qu'on va récupérer, j'ai une demi-molle de compète et envie d'écrire des poèmes en même temps. 3. 2, 1, décollage! Ouais! Mortel.
ça? Il y a une sacrée vue de là-haut. On va leur faire voir c'est qui qu'on est à ces gros bâtards. Le réseau de Bloom est encore plus étendu qu'on le pensait. Mais doit forcément y avoir un moyen d'entrer. Forcément. Je suis en train de relever des points d'accès. Heureusement que certains de ces hubs présentent des vulnérabilités. Cool. On y va. On sait qu'est-ce qui est ouvert. Les bureaux de Bloom sont à Yongsan. Si on leur rendait une petite visite. Problème. Passerelle SML à sécurité adaptative impossible à contourner. Je pourrais passer des mois dessus sans arriver à rien. Non, Josh. Il y a toujours un moyen. Eh ? Qu'est-ce qui arrive au data center pendant une coupure de courant ? Leur onduleur prend le relais. Pourquoi ? Et s'il marchait plus non plus ? Le firewall serait désactivé et on se rapprocherait du Delaware. C'est génial, Wrench ! Faut trop qu'on fasse ça ! Justement, vu que t'en parles, Citara... Quoi ? Quoi ? CU 좀 살펴봐줘. 정상 수치에서 20% 변동. 좋아. 계속 지켜봐야겠군. 부하 측면에 또 다른 서지가 발생입니다. 감독상으로는 어떤데? 소지 상태는 어때? 다시 상승하고 있습니다. 기준선에서 520kV 증가. 서 발생한 거지? 파동? 울진? 전부요. 전부라니? 대체 무슨 소리야? 강남, 정로, 서부, 성파 전부 중지되고 있습니다. 왜 열전자 방출 상태는? 심각한 상태입니다. 시켰나? 그게 어디? 누가 좀 알람 좀 끄라고! 서지가 계속 상승합니다. 이도 먹을. 분명히 이건 날라갈 판이군. 좁아 전압을 반경시켜. Foutu, Wrench. J'ai coupé le courant. Besoin d'autre chose? Wrench, la finesse, c'est pas ton truc. J'ai jamais dit que ça l'était. J'ai déjà fait un coup comme ça, Wrench. Il y a eu des émeutes. Des gens sont morts. J'espère que ce genre de truc, ça t'inquiète pas. Regardez-moi ce matos! Wrench, je suis en train de baver, là? Je suis désolé, mais là, je bave tellement fort que j'entends pas ce que tu dis. Tu vas t'en sortir avec leur serveur, Josh? Je crois qu'on devrait se comprendre. Tfadli, c'est bien. هي تعتبر الاستخبارات بعدها سبب الهجوم لكن في غايه الاهميه حيث تؤدي هذه الغرفه دور حلقه وصل للانتاير فاسيلتي ويتم توزيع ومراقبه الخدمات الحيويه الخاصه بامور مثل قدره الاستيعابيه او انظمه التحكم الخاصه في بنا. Josh, t'es un putain de killer. Merci, Ray. Vous savez que j'ai loupé. Du blanc. Bienvenue en Irlande, les gars. Bienvenue à Dublin. Merde! Je pensais que c'était Dublin, l'Ohio, moi. On va jeter un petit coup d'œil, histoire de se mettre à l'aise. Ahem.
never been there in ships. What the hell? Jesus Christ. Look, I gotta look after this. I'll circle back shortly. Don't touch anything. Arsehole. How you, love? Okay. Security guru locked by PC, now I'm waiting around with me hand up me bum. No. Et voilà. What's that? Delaware, Data Center. Eh, on a accès au Delaware. Quoi? Il a raison, regardez. À nous le Delaware. On va récupérer ce qu'on est venu chercher. Bah dis donc, là, je dis chapeau. Allez, c'est parti. On est sur le point de récupérer les métadonnées de Bloom. Ce coup-ci, c'est le bon. T'assures, mon pote. Oh, putain! Vous avez vu la taille de ce truc? Ça change rien, les gars. Pas vrai? Ils veulent vraiment que personne puisse y accéder. Yo Marcus, ça va ou quoi? C'est déjà stressant à la base, mais alors quand t'as du monde qui te regarde... Marcus... Marcus... Sérieux? Tu vas me faire ça maintenant? Marcus! 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 Eh, vous voulez pas un peu aller vous faire foutre? Laisser un petit souvenir quand même. Marcus, qu'est-ce que tu vas faire? Un. C'est une surprise. Quoi? Quoi? Attends. Ça a marché? Deux secondes. Ah, t'as vu ce que j'ai fait? T'en as trop dans le crâne, gros. Oh.
Va falloir un temps fou pour tout éplucher. Hey, faut qu'on trouve pourquoi ils utilisent des satellites. Ray. T'inquiète, je suis déjà dessus. Bon dieu de bordel. C'est un backbone. Un backbone par satellite? Et la latence? Ils peuvent pas arriver à égaler le débit de la fibre optique? Si les données sont exactes, c'est déjà le cas. Bloom a réussi, ils ont plus besoin de câbles sous-marins avec leurs satellites. C'est un vrai bond technologique. Si ça marche, les hackers mettront des années à rattraper le retard. Bah, pas nous. On est déjà dedans. Eh, y a qui parmi les clients de Bloom? Alors, on a Noodle, on a Invite, on a Tidis, on a Galilei, il y a même le gouvernement et jusqu'à la bourse de New York. Attends, ça veut dire que toutes ces entreprises ont accepté de faire passer leurs données via Bloom? Y a que moi qui trouve ça suspect. Toutes ces données entre les mains de Bloom, ils vont avoir le monopole le plus puissant au monde. On peut pas détruire le backbone? Non, non, et même si on pouvait, on a besoin de réponses. Hé, tout le monde, écoutez-moi. Notre boulot est loin d'être terminé, mais avec ça, au moins, on n'est pas largué. Alors, prenez une cible. Invite, Tidis, ce que vous voulez. Et creusez, cherchez des trucs qui sont pas censés faire, ok? Dushan veut faire de nous les méchants. On va lui montrer ce que c'est que d'être en guerre avec DedSec. Ouais! Ouais! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais très bien. J'ai grillé ta petite combine. Je veux pas que tu utilises Marcus dans ta guerre personnelle contre Bloom. Pourquoi tu me sors toutes ces conneries? Je suis au courant pour Raymond Kenny et ses fameux dommages collatéraux. On s'utilise les uns les autres ici. Ça a toujours été le deal, Citara. Marcus, c'est un grand garçon. Il sait se débrouiller tout seul. Mm-hmm. Bien sûr. J'aurais pas entendu. Chelou. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Trouvez-vous que la société soit juste? Vous considérez-vous libre? Vous faites confiance à la démocratie et vous pensez que votre voix compte? Mais les entreprises possèdent les politiciens et contrôlent les élections. Croyez-vous au pouvoir du marché libre? La bourse n'est rien d'autre qu'un spectacle de marionnettes pour les riches. Votre argent est contrôlé par des gens dont vous ne savez rien. Pensez-vous que le gouvernement vous protège? Au contraire, le ministère de la Défense protège le gouvernement contre vous. Ne nous croyez pas sur parole. Rejoignez-nous pour notre plus grande opération et voyez par vous-même. Les fondements de la politique américaine sont mensongers. La démocratie, le marché libre, la sécurité nationale. DedSec vous révélera la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Le grand vif. Marcus, Josh est en train de décortiquer les données de Galilei, et il aimerait te montrer quelque chose. Cool. Quel genre de truc, au juste? Rentre dès que tu peux. Ça pourrait être énorme. Thank you.
Quoi de neuf, Ray? Josh a remarqué quelque chose de bizarre dans les données de Galilei. C'est du code, mais les commentaires sont en chinois. Non, me dis pas que les Chinois ont déjà piraté le backbone satellite? Pas les satellites. Les câbles sous-marins reliant la Chine et les États-Unis. Mais c'est même pas ça l'info la plus énorme. Bloom a surveillé tout le piratage. Josh raconte que les hackers volent des données qu'ils utilisent ensuite pour spéculer à la bourse de New York. Des hackers qui deviennent traders initiés, et alors, c'est pas la première fois que ça arrive, ça? Non, mais écoute ça, le programme utilisé par les hackers. Roulement de tambour, s'il te plaît, Josh. C'est un soft de reconnaissance de forme, et je parie mes couilles que c'est le Bellwether, mon pote. Et Bloom est au courant? Bah, pourquoi ils font rien? C'est pour ça qu'on est là. On n'a rien de solide sur quoi se baser, à part que les hackers chinois ont utilisé leur accès pour autoriser un cargo en route pour San Francisco. Les containers viennent tout juste d'arriver au port. Je vais y faire un tour. La tension monte à l'approche des élections qui se tiendront le mois prochain. Malgré de nouveaux candidats très intéressants, l'actuel membre du Congrès, Mark Truss, est largement donné vainqueur. Les sondages en ligne semblent indiquer qu'il gardera son siège avec une majorité écrasante. Citara, c'est quoi le numéro de conteneur que je dois trouver? LV-426. Ah, pas mal. Calme-toi! Calme-toi, je t'ai dit de te calmer, bordel! Oh, sa mère! Petite devinette, c'est quoi qui est? Qui est chinois et qui fait du trafic d'êtres humains. Facile, les Anti-Shoe Boys. Ouais. Bah, c'est du trafic de luxe parce que j'ai jamais vu un truc pareil. Leur conteneur est mieux que mon dernier appart, putain. Je vais t'envoyer une photo. Reçu. Qui c'est? Et pourquoi il saigne du nez? Noodle Translate lui a fait un coup de pute. Cela dit, il a pas la gueule d'un chargement ordinaire. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Essaie de retrouver son visage sur le net. Si tu veux mon avis, il a dû aller à l'école s'ils se sont donné autant de mal. Ok. J'essaie les écoles chinoises et je te recontacte si je trouve quelque chose. Ok. Oh, et tant que j'y suis, bienvenue en Amérique. Marcus, j'ai trouvé ton gars. Ça donne quoi? Diplômé de la Shanghai Jiao Tong University.
Il a un double master en statistique et commerce, pro de l'analyse quantitative. Le profil parfait pour bidouiller les marchés boursiers. En clair, les anti-shoe boys sont à fond dans le business du trading. J'ai un contact à Chinatown qui connaît les anti-shoe boys. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Il t'aidera peut-être à obtenir des réponses. Chez moi, on bosse sur un plan secret. Ce serait plus simple de t'expliquer si tu venais au garage. D'accord. Aujourd'hui, nous avons des entrées exceptionnelles. Aïe. Et une carte de dessert très tentante. Si Bonjour, puis-je vous proposer un petit thé innocent ou un cocktail diabolique ? Bonjour, voulez-vous jeter un œil à notre carte ? Notre merci. Est très connu. Non, merci. Imagine ce qui arriverait si Bloom étendait le CityOS au monde entier, à des pays sans réglementation, ou à d'autres où les dirigeants l'utiliseraient sciemment contre le peuple. Oh, ce serait un cauchemar, un vrai scénario catastrophe. Et à mon avis, le projet est déjà entamé. Comment on pourrait faire pour l'arrêter ? On continue à attaquer les boîtes associées. On fait connaître les risques, les abus. Se battre contre Bloom directement, ce serait perdu d'avance. Il faut qu'on salisse leur image et qu'on anéantisse leur nom de marque. Hey, tu connais ce mec ? Ah, bah bravo, super comme attitude. Écoute, je sais que c'est les anti-shoe boys qui les font entrer. Je veux savoir pourquoi. Non, je le connais pas. On se connaît pas tous, tu sais. Citara m'a dit que tu pourrais m'aider, alors donne-moi quelque chose. Eh bah fallait le dire tout de suite. Anti-shoe a un bureau dans l'entreprise d'import-export sur Gold Street. Leurs registres sont là-bas. Eh, hey, tu diras à Citara qu'on les quitte maintenant. Ouais, merci. Ouais. Ok tout le monde, je suis sur une piste à Chinatown. Je pense que c'est une sorte de planque qui doit servir à anti-shoe. Si je trouve quelque chose, je vous rappelle. Ok. Oublie pas de chercher tout ce qui peut être lié au piratage des places financières. Attends, j'allais pirater là. Je me montre un truc.
peut le taper. Qu'est-ce que je fais, moi? C'est mort, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je suis derrière toi. Je vais me faire tirer dessus, c'est ça? Oh, okay.
Voilà, c'est prometteur ça. On va voir ce que tu caches. T'as trouvé quelque chose? Des documents. Tu lis le chinois? Non, mais les cartes et les graphiques, je sais les lire. Des cartes et des graphiques de quoi? Un parc de serveurs flottants. Des nœuds informatiques, des générateurs, ils sont dans les eaux internationales près du câble sino-américain. Ça fait des années que la flotte du Pacifique chasse les bateaux et les sous-marins de la zone. Mais ça fait une grande surface à couvrir. Sauf quant à leurs coordonnées. Merci les Anti-Shoe Boys. Super, maintenant tire-toi de là. On pirate la péniche et on regarde ce qui se passe à l'intérieur, en espérant qu'on trouve pourquoi Bloom permet à des types d'utiliser son Bellwether en bourse. Le souci, c'est qu'elle est hyper loin. Ok. La péniche est pas reliée au CityOS, elle doit utiliser les protocoles chinois. Mais je vais t'arranger le coup, mon gars. T'inquiète, de mon côté, tu seras raccordé. Mets ton téléphone dans un lieu dégagé. Je t'envoie les coordonnées d'un phare à Marine. Ah, si t'as une minute, pense à lever le nez. La vue est magnifique. Ouais, j'y penserai. C'est un peu loin là. Je vais vous caresser. T'es pas une chienne, toi. Mais je... Tu me comprends, toi. Pas vrai, le chien. Tout est très bon. Salut, mon petit toutou. Ok, j'y suis et je suis prêt. Hé, Ray, tu déconnes pas pour la vue. Je déconne jamais, amigo. Et commencez pas, vous deux. C'est bon, Ray? Ouais, les protocoles sont prêts. Allons voir ce qui se passe dans cette péniche.
Bon, tu vas faire quoi? Si j'ai bien déchiffré le plan, et c'est le cas, il y a des caméras faciles à pirater. Je vais regarder ce qui se passe. Et après? Je lui pirate la gueule. Faut juste que je trouve comment. Putain, c'est dingue. J'adore. Je veux mettre la main sur leur serveur principal, mais pour ça, faut qu'on le rapproche. Allez, j'y vais. Je vous dis pas. Je vois aussi un terminal d'admin, mais va falloir que je fouine un peu pour trouver les identifiants. Attends, je vois comme des jouets, là. Du genre pour Josh ou pour Citara? Le genre qui marche sur batterie et que je peux commander à distance. T'es en train de te foutre de ma gueule. Je crois que j'ai trouvé le mot de passe. Parce que tu lis le chinois, toi. C'est une séquence numérique. Ça coûte rien d'essayer? Il me sert à quoi, ce petit robot, là? Pièce importante. En fait, il y a deux anti-chouilles. Voilà pourquoi on aime les gens qui cochent la case « se souvenir de moi ». J'ai trouvé un nom d'utilisateur. Tu vois, avec une petite voix aiguë. Un peu comme dans les films. Un qui va s'excuser toutes les deux. Je crois que j'ai trouvé de quoi accéder au système du bateau. Super. Maintenant, on revient au terminal d'admin. Avec les bras le long du corps, la tête baissée... Enfin bref, plus inoffensive, tu peux pas. C'est quand j'ai eu 13 ans. J'ai rejoint les Shoeboys. Que j'ai vu qui c'était vraiment, ma tante. Elle se tient droite comme un i. Elle est efficace. Calculatrice. Toute la chaîne. Je suis dedans. Et t'as une idée pour rapprocher la péniche du rivage? Essaie de détraquer leur jauge. Ils penseront qu'il y a une fuite. Ouais, bonne idée. Ok, les jauges de carburant sont détraquées. Du coup, ils vont devoir regagner la côte pour ravitailler. C'est bien joué, ça. Y'a un bateau qui t'attend au quai de marine. Elle se bat pas à la loyale. Elle se bat pour tuer. Ma vraie tante, Antichou. Oh, c'est que du or. C'est pas drôle. Thank you.
j'ai pour sortir là en fait. On court là. Salut Rétro, je t'ai préparé ça. Super, tu viens aussi ? Non, j'ai le mal de mer. Quand la péniche sera à portée, tu pourras l'atteindre rapidement. Ok. J'ai tous les piratages de péniches avec l'activité de la bourse de New York. À chaque fois, ça correspond à des périodes de trading ultra volatiles. Je suis remonté jusqu'à 2007. 2007 ? Attends, tu veux dire que la crise financière, c'est... Un test de Bellwether, qui visait à manipuler les séquences de transactions sur un marché déjà fébrile. Mais ils ont fait comment, les Shoeboys, pour accéder à... À moins que... À moins que... Qu'on leur ait filé l'accès. C'est possible ou pas ? Peut-être. J'ai atteint la péniche. Reste en ligne. T'as pas le droit à l'erreur, là. Je promets de pas me noyer. J'y vais. Dites-moi merde. Merde. C'est quoi ton plan ? Vu la taille du bateau, il y a peut-être des centaines de serveurs. Si on veut trouver le bon serveur, faut que je hack le terminal de l'admin. Thank you.
Et s'il se passe. Je pensais que je pouvais passer. Ça devrait aller. Je vais voir si la backdoor fonctionne toujours. J'ai identifié le serveur principal, il n'y a plus qu'à le trouver physiquement. Pour eux, c'est transportable, mais peut-être que pour toi, ça l'est pas. Si ? Ah ouais ? Il fait quelle taille, à ton avis ? Le genre industriel. Je laisse la ligne ouverte. Le serveur. Au fait, comment je suis censé me tirer d'ici? Sur le plan que t'as trouvé, il y a un ascenseur de service. Tiens, en parlant de porte de service, je t'ai raconté la blague du... Wrench, plus tard. Non, mais c'est celle avec le cheval de course. Plus tard, on t'a dit. Installe le serveur comme il faut, et on s'occupe du reste. Pas bon ça. C'est quoi le plan? J'y suis presque. Josh, alors, merde! Top chrono. Plus que 29 secondes. Un bordel! Quoi? J'aime bien être ponctuel. On va pouvoir faire du business sur le territoire de 580. On se le fait. Josh, t'es où? Tu devrais pas tarder à me voir... là. Non mais je suis censé voir quoi, surtout? Oh putain! C'est ton drone, ça? Surprise! Construit sur mesure. Marcus, t'es où? Il faut encore que t'accroches le serveur au drone. Au drone? Mais... Hé, qu'est-ce que je fous là-dessus, moi? Putain... Ok... Hein? Sa mère... Hé, hey, yo, Josh! Combien de fois tu l'as fait voler, ce machin? La première fois. Vous savez, Michel, nous sommes heureux que ces hackers soient enfin traduits en justice. L'affaire des câbles sous-marins et celle d'espionnage et de sabotage menée par des groupes comme DedSec montrent qu'il y a clairement des failles dans le système. Mais
Sachez toutefois que Bloom travaille actuellement d'arrache-pied sur un projet qui éliminera... Cet enculé a donné accès au Bellwether à des hackers pour qu'ils puissent le tester pour lui. Et il a présenté l'attaque comme une vulnérabilité des câbles sous-marins. Faut reconnaître qu'il est bon, ce bâtard. Encore plus d'entreprises vont vouloir profiter des satellites de Bloom. Bon, bah on a qu'à publier tout ce qu'on a sur Dushan, ok? Qu'il se fasse lyncher par le public comme Mussolini. Non mais c'est pas une solution de l'abattre. Ouais, bah restez assis à rien foutre. Arrête, personne reste assis à rien faire. Silence! Il nous provoque. Je crois. Il essaie encore de neutraliser notre action en nous présentant comme une menace. Et on est une menace. On s'est tous mis d'accord pour jouer la partie selon nos règles. Est-ce que ça a changé? Ok. On a presque tout ce qu'il nous faut pour le dégager une bonne fois pour toutes. Alors on se remet tous au boulot et on assure le coup. Ouais. D'accord. D'accord, très bien. On a mis tous les systèmes de DeadSec sur les données récupérées chez Galilée. On a trouvé des trucs ? Une putain d'avalanche de trucs, ouais. En fait, j'ai déjà repéré une énorme opportunité pour nous. Il se trouve que pour sa campagne de réélection au Congrès, Truss bénéficie du soutien logistique d'Invite. C'est chelou. Et illégal. Ouais, pourquoi pas un simple soutien financier ? Invite collecte des données depuis des années. Et ça, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Mais pourquoi un abruti comme Truss ? Il reconnaîtrait même pas sa bite si on la lui montrait. Ah bah, on a qu'à le titiller, foutre le bordel, et on verra bien ce que ça donne. Ouais, on le force à réagir pour qu'il fasse une connerie. Je vais l'annoncer, ça. Marcus, tu crois que tu pourrais le provoquer un peu ? Ah ouais, j'ai exactement ce qu'il faut. Je vais aller refaire une petite beauté à l'énorme panneau sur lequel il y a sa sale gueule, histoire d'envoyer un message. Et moi, je vais regarder le financement de sa campagne. Et moi, je vais... pourrir ses médias sociaux, je vais pourrir son site web et je vais pourrir ses bannières de pub. Eh ben moi je vais aller reprendre une bière. Vos libertés peuvent être protégées uniquement là où règne la démocratie. Hors des intérêts privés faussent les élections. Vos élections. Votre réseau social préféré, le géant Invite, sait absolument tout de vous. Et il manipule votre fil d'actualité pour vous influencer selon ses intérêts. Il vous incite malgré vous à voter pour leur marionnette, le député Mark Truss. Invite détient l'outil de contrôle des populations le plus puissant jamais créé. Défendez la démocratie. Aidez-nous à détruire Invite. Prêtez-nous votre puissance de calcul à l'aide de notre application et nous montrerons le vrai visage de Truss. Rejoignez-nous. Nous sommes DeadSec. We are DeadSec. Thank you.
Jock. Pour voir le lancement de la fusée. T'avais raison, c'est l'endroit parfait pour lui demander. Je te dois l'apéro. J'ai la sale gueule de Truss sur un panneau publicitaire géant juste devant là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est parti. Il saura qu'on en a après lui, maintenant. Bon boulot. On a toute une équipe en train de bosser sur les autres panneaux de Truss. Cool. Et moi, j'écris une charge utile qu'il faudrait déployer sur le serveur d'Invite. Retrouve-moi devant leur bureau et je te brieferai. Ok, à toutes. Attends.
c'est... Tu... C'était du beau boulot, le panneau. On voulait une réaction, on a eu une réaction. Ah ouais ? On a intercepté un email entre Truss et son staff, et il est très énervé. Il essaie de faire passer une loi contre les groupes ayant la capacité de révéler des directives et actions propriétaires. C'est nous, ça. Neutraliser les hackers, c'est quelque chose qu'Invite a très envie de faire. C'est en partie pour ça qu'ils aident Truss. Mm-hmm. Tu vas devoir t'introduire dans le bureau de la PDG. Oh, Mary Gatskill. Et... voilà un exploit qui te permettra d'ouvrir la backdoor de leur serveur. Encore une clé USB ? Je vais pouvoir ouvrir un magasin avec tout ça. Ouais, bah, celle-là, tu la vends pas. Ah bon ? Ouais, je le vois. J'étais dégoûtée. Ça s'est pas super bien passé là-dedans la dernière fois. Un putain de bad trip. Ouais. C'est l'histoire. À cause de ça, ils ont renforcé la sécurité, je vous signale. Ah ouais. Ah bah super. Toi, t'es d'accord avec moi, non ? Elle met ma vie. Parce que moi, je trouve que c'est... Non, mames ! Ok, comment je fais alors ? Ça va, c'est pas ouf. Oh, sa plateforme est juste ridicule. Je t'appelle parce que je... Désolé. Bueno... Que mierda! Oh... Ah, j'ai essayé d'apprendre le latin l'autre jour pour rigoler. C'est vraiment une langue... Je connais la couleur de ses cheveux, celle de ses yeux... C'est comme ça leur sécurité. Idiot!
Ok, ça y est. Super, on va pouvoir enregistrer ces conversations et comme ça on saura enfin tout ce qu'elle dit. Faut que t'ailles à la salle des serveurs pour installer la backdoor. T'inquiète, je sais. Oh, putain. Et voilà. Quelle heure? 19h30. Bien joué, monsieur. Alors, c'est dit quoi de beau? Est-ce que tu vois ce que je vois, là? On dirait... Putain! Ils utilisent Bellwether. Merde! Ça veut dire que Bloom est derrière tout ça? Les chiens! Ils manipulent les gens de manière à ce qu'ils votent pour Truss! Tu sais quoi? On devrait pouvoir le modifier pour que ça joue contre lui. Ah ouais, ça me plaît. Allez-y. Allez, barre-toi maintenant. Au port. Ils ont dit qu'elle payait pas le loyer. Et ça sonne. Attention. Ah, mais c'est qui? Alors c'est eux. Ah, bordel, j'y crois pas. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Non mais ça va pas. C'est quoi cette blague? C'est bon, je suis sorti. Josh essaie de modifier l'algorithme d'Invite histoire qu'on puisse niquer Truss. Hey. Un des autres candidats organise un meeting devant l'hôtel de ville. Ça marche, je te retrouve là-bas. Cool. Putain d'enfoiré, ça dé... C'est bon là. C'est ça, rentre chez toi. Oh, il est fine.
cette voiture. Prendre conscience que les grosses entreprises qui gèrent vos données excellent dans l'art de vous en séparer. Ouais, sauf qu'elles sont chance, à vous, Teresa, ces données. Vous si avez le droit fin, de les contrôler et de savoir ce foutu comment programme elles sont Bellwether utilisées. Peut influencer tous les électeurs vous avez du le droit pays. À la connaissance ouais, Truss va leur assurer l'aval du Congrès, c'est pour ça qu'il est si important. N'oubliez ah, bah depuis qu'on a trafiqué le code d'Invite, le petit membre du Congrès fait descendre dans les sondages. Invite est en flip total. Hé, hey, Marcus, faut trop que t'écoutes ce qu'on a enregistré. Ça, c'est une discussion entre Truss et Marie Catskill, la PDG d'Invite. Vous ne pouvez rien faire? Ça va plus du tout, là. Il faut qu'on se voit. J'ai quelque chose qui permettra de régler le problème. Oh, Dieu merci. Retrouvez-moi à mon appartement. Renforcez la sécurité, je vous retrouve là-bas. Merci, Marie, vraiment. Personne n'en saura. Je vais enregistrer leur rencontre, on pourra l'utiliser contre eux. Et je m'en vais vous aider. Votre calèche vous attend, monsieur. Oh, merci, très cher. Quelque chose me dit qu'on va avoir du mal à entrer. J'ai fait mes petites recherches, et il y a des caméras de sécurité partout. On devrait les utiliser pour notre repérage. Utiliser leurs caméras pour franchir leur sécurité? Toi-même tu sais. Voter, c'est une des dernières libertés qu'ont les gens. Tu savais qu'Invite surveille les intentions de vote de ses utilisateurs? Bah oui, pourquoi ils se priveraient? Ça me rend dingue ce qu'ils font chez Invite. On le sait que les entreprises passent leur temps à manipuler les gens. Mais bon, là c'est carrément Vislard. Ouais, ils contrôlent toutes les infos qui circulent. Ils savent tout sur tout le monde et comment en tirer profit. Sécurité est tout en haut de cet immeuble. Je vais aller voir ça. Et moi je vais explorer la zone. Voir si je peux trouver un accès direct. Regarde ton laptop. Je voudrais pas que tu rates ça. Monsieur Nemec. Oh, quelle surprise. Surprise. Une surprise. On dirait que vous venez de vous chier dessus. Je ne vous permets pas. Vous et Madame Catskill m'aviez promis Elle que... Elle ne vous a rien promis du tout, Marc. Les promesses, c'est pour les enfants de 5 ans, Marc. C'est du chantage? Je sais, je sais. J'aurais préféré trouver une solution plus raffinée, mais... Celle-ci a fait ses preuves. Cet état pardonne les frasques sexuelles bien plus facilement que l'usage de drogue, Marc. Je suis membre du Congrès des États-Unis. Pour en venir aux faits, mon petit Marco, vos intentions de vote sont en chute libre, ça peut pas durer. Il faut passer au plan B. Vous vous souvenez de ce que c'est, le plan B? Ça, ce sont les schémas. Si ça vous intéresse. Je croyais que votre programme allait me faire réélire. Non, les miracles, c'est pour les losers, Marc. Vous préférez pas la mériter, votre victoire? Si les choses se passent mal, n'oubliez pas. Vous fermez votre bouche. Pas comme sur les photos. Non mais, vraiment, je m'excuse, sérieux. Je ferai mieux la prochaine fois.
Vous avez vu ça? Dushan est impliqué, obligé. Oh la vache! Il y a beaucoup d'activités par ici. Marcus, l'immeuble vient de disparaître du réseau. On peut ni entrer ni voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais y aller. Doit bien y avoir des preuves de ce qui se passe quelque part. Je suis sur le toit de l'immeuble voisin. Et il y a plein de grues dans le coin. Ça devrait t'aider à accéder à son appart sans problème. Ok, j'arrive. Yo Marcus, ça va ou quoi? Regarde un peu ça. Hmm? J'hallucine, on voit toute la ville d'ici. Y a un paquet de gens qui vivent là, mon pote. Un paquet de gens. Ouais, qui se font entuber. Et qui s'en rendent même pas compte. Comme... endormi. Ouais, c'est carrément moche. T'es conscient qu'il va falloir se battre comme des chiens pour en faire des citoyens normaux? Je te le fais pas dire, mon pote. Ok. Trouve les preuves qu'il nous faut, je vais installer ta porte de sortie. C'est pas trop ça? Non, je crois que ça c'est un hélicoptère. Guignol va. Super.
Merci d'avoir suivi. Et moi je vous dis à bientôt. Merci, ciao.